Moi, bon, tout dit en passant, il faut que je récupère mes mémoires d'ex parce que je sais pas vos adresses, les filles. Je ne les connais pas par cœur. Voilà. Donc, de toute façon, d'ici décembre, il y a le temps. Créaline. Je pense à toi, t'inquiète pas. C'est juste que j'ai été bête de l'écouter, à me dire, fais-toi plaisir. Voilà. Ça fait que je me retrouve avec des conserves, heureusement. Du riz, de la semoule, quelques pâtes, bof. Pas terrible. Et puis voilà, de la purée. Alors que j'ai du lait en poudre. Bof, pas terrible. Maman m'a dépanné en sucre, café, puis des pâtes chinoises vite faites. Un régal. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, donc voilà. Donc, je ne m'occupe pas trop de ce qui m'est important. Le café surtout, parce que vu dans l'état où je suis, complètement HS, il me faut du café. Oui. Parce que sinon je me réveille pas. Puis là, trois cafés, je suis toujours pas réveillée. Et midi moins 7. Et je suis toujours pas réveillée. Alors bon. Je vais faire avec. Hein. Je suis en train de faire une lessive là de serpillière, etc. La serpillière surtout. Pour laver la salle, les pièces des chats. J'ai passé un bon coup de balai pour récupérer tous les cailloux qui sont partout. Puis je vais laver à la javel. Voilà le programme. Ça m'enchante pas vraiment, mais je crois qu'il faut que je fasse ça avant de me laver la tête parce que sinon je serai pas tranquille. Donc j'attends que les serpillères soient lavées. Essorer. J'ai dû faire une vidange du filtre de la machine. Elle est marquée sud. Quand c'est marqué sud, eh ben c'est le filtre qui est bouché. On se retrouve avec de la flotte partout. Ah, c'est fou ce que ça m'a amusé. Mais bon, après c'est reparti comme en 40 ans. Et oui. Et bon, j'aime pas le faire. Il faut déjà ouvrir la trappe avec un couteau. Puis après, user de la force et puis mettre quelque chose en dessous parce que ça inonde tout. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça quand? Vendredi soir ou samedi, je sais plus. Enfin bon, je m'occupe de mon linge, quoi, pour l'instant. Il faut que je range le salon. Déjà en priorité.
J'ai du boulot, ouais, mais bon, je vis au rythme de mon corps, quoi. Et complètement out. Alors moi, je suis HS, mais mon corps est out. Hein. Avec tout ce que je fais, rien que d'accrocher le linge. Je suis épuisée, quoi. Voilà, quoi. Il me faut plusieurs jours avant de réagir. Et c'est pas facile. Pas facile du tout. Kira est au propre. Il fait bien dans la caisse. Je vais l'avoir à changer encore une fois. Je vais essayer de lui retirer les crottes et puis. Et puis m'occuper de lui, mais là il a encore à manger et à boire, donc ça va. À deux gamelles pour un chat avec une bassine d'eau, ça va. Alors il est tout le temps là. Miaou, miaou. Vas-y, t'as tout ce qu'il faut là. Oh, je suis remué un peu les croquettes. Puis il est content. Voilà. J'ai trouvé des croquettes à 1,90 € utile, je crois que c'est ça. C'était anciennement Leader Price. Donc je vais voir ce que ça donne. Puis si Domino les tolère, puisque lui, si. C'est pas des bonnes croquettes, il est vomi. Donc je vais voir, je verrai. De toute façon, au mois de décembre, je ne fais pratiquement pas d'achat sur internet. Je vais avoir besoin en priorité de courses et pour moi et pour les animaux, de liquide de vapotage, de tabac et de CBD parce que j'en peux plus de d'avoir les membres qui me font mal à tel point que je peux plus, que j'ai plus de force. Donc si ça pouvait me soulager, et je sais que ça me soulage. Voilà. Alors c'est pas histoire de se droguer ou quoi. Non, non. Ça, il n'y a aucun produit. Comment dire. On délire pas avec un. Hein. C'est juste un soulagement de la douleur et à la limite on va dormir et puis on se réveille, on va mieux quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc bah, j'irai à la boutique. Je vais en prendre pour 30 euros, je vais prendre un vapotage et puis en herbe. Je vais voir ce qui me fait le plus effet. Mais j'ai pas envie d'être assommée non plus. Parce que j'y suis déjà. Aujourd'hui, j'ai pas encore utilisé mon CBD. J'avais acheté. Que je vous montre correctement ça. Sur Internet. Ça marche pas mal. C'est en huile.
De l'huile de chanvre. Ah, ça y est. Le truc qui s'est défait. C'est comme ça que je me suis fait avoir l'autre jour. Et j'en ai pratiquement plus du coup. Oh, ça va, il me reste la moitié. Donc c'est une huile, hein. Voilà, goutte à goutte. Moi, j'ai testé sur moi. Le mieux, c'est que je prenne non pas trois gouttes en dessous de la langue, mais 5. Augmenter pour être soulagé correctement. Et puis, bah, c'est 2 fois par jour, max 3. Si je suis fatiguée, c'est que j'ai les membres qui... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, entre la douleur et le pétillement. Donc ça fait pas trop mal, mais par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir, ça fait assez effet. Bon, là, j'en ai pas pris, j'ai pas voulu en prendre. Donc on met moi je mets 5 gouttes sous la langue. On attend. Après on mélange à la salive. Et puis après on avale. Donc c'est un processus qui est long parce que on attend quand même que les muqueuses soient imbibées. Après, on dilue avec la salive. Puis après, on avale. C'est vrai que c'est comme les médicaments, hein, dans la demi-heure, un quart d'heure, un quart d'heure, 30 minutes à peu près, ça fait effet. Mais il faut rester calme pour que ça fasse effet. Ça, je vais m'en racheter parce que celui-là, il est pas cher. Et c'est du bio. Première pression. 100% naturel. Donc voilà. C'est sûr que là, je vais pas tarder à en prendre parce que je commence à avoir mal. Je pense à Scraporo. Bah, je vais m'adresser directement à Scraporo. Ma belle, tu ferais bien de t'y mettre. Aussi, parce que c'est naturel. Et si tu es sous morphine, normalement, bon, moi j'évite au max. J'étais sous codéine. Le médecin de la douleur a voulu me donner des dafalgans et puis de l'acupan. Et franchement, j'ai mal. J'attends le 29 qui mon médecin prétend qu'il passe pour me remettre sous codéine parce que je ne peux plus. Peut-être aussi pour ça que j'arrive pas à me réveiller parce que c'est la douleur qui est lancinante. Voilà. Faut pas hésiter à prendre quelque chose de naturel. On a ça maintenant.
Certes, qui n'est pas en vente en pharmacie. C'est déplorable parce que c'est quand même quelque chose de naturel de lutter le chanvre. Je vais vous montrer. Parce que là, il faut que j'en prenne parce que j'ai plus le choix. Donc, on en prend dans la pipette. On essuie la pipette. Et de 5. Donc on laisse bien agir sous la langue. J'en ai eu sur la lèvre. Et puis bon, c'est pas terrible comme goût. Mais c'est une sorte d'anesthésiant. On sent au coin des lèvres. C'est un peu comme l'acupan. Mais moins fort. Bon, voilà. J'ai avalé la dose. Normalement, je devrais être soulagée très bientôt. Bon, faut dire que ça fait avant 2008 que je suis fibromyalgique. On ne sait pas si ça vient de la colonne ou si je suis réellement fibromyalgique. Moi, je pense que j'ai les deux. Parce que sinon, ça ferait effet pour la colonne et tout ça. Je me fiche des massages qu'ils me faisaient. Je me fiche de tout ça. J'ai besoin de repos. C'est pas en ayant des gens qui viennent tout jour et nuit qui cassent la vie de couple que ça va marcher, quoi. J'ai pas eu envie d'une vie de patachon comme ça. Moi, j'ai plus l'âge de faire la foire la nuit. Il y a du bruit, il y a ci, il y a ça. Voilà quoi. C'est anesthésie, hein. Bon, les 30 millilitres, franchement, 9,99. Frais de port gratuit. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Ma tante a vu plein de reportages, donc elle a pu me conseiller. Bah, elle est en Allemagne, hein. C'est un peu plus libre qu'ici. Et donc, voilà. M'a dit, essaye d'augmenter les doses si tu vois que ça suffit pas. Et bon, en général, j'en prends que 2 fois par jour. Voire une fois, tu vois. Là, comme j'en ai pris à midi, j'en prendrai pas avant ce soir.
Si j'en prends ce soir, je sais pas, parce que comme j'ai l'acupan ce soir, on verra bien. Et l'acupan vous anesthésie la gorge, tandis que oui, le CBD, je vais dire CBD, ça vous anesthésie pas la gorge. Vous le sentez sur le coin des lèvres, ça c'est sûr que c'est un anesthésiant, mais ça vous anesthésie pas la gorge. Ça va aller plus dans l'estomac et après diffuser dans le corps. C'est un avantage. Tandis que l'acupuncture, ça me fait rien. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Ça fait plus de 20 minutes quand même. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais attendre que ça agisse, que j'ai plus ces fourmillements là, douloureux. Parce que maintenant, ça s'atténue grâce à ça. J'ai été récupérée vite fait, moi je peux vous le dire. Donc voilà. Donc Sraproro, essaye. Essaye et tu me diras si ça te fait effet. Je dis moi 5 gouttes parce que ça fait depuis, on va dire les 2007. 3, 4, 14 ans que j'ai suivi fibromyalgique. Donc voilà. Donc j'ai essayé pas mal de choses. À part la codéine qui me fait effet, il n'y a rien d'autre. L'acupant, je prends pour essayer de me soulager, mais ça fait que dalle. Hein. Voilà. Bon, je vous dis bye bye, à plus.